Salut, c'est Megadriver16. Tout comme l'année dernière sur le jeu Tour de France 2013, je vous avais proposé une vidéo des 12 différentes célébrations de victoire qu'on pouvait avoir dans le jeu. Je vous propose ici, avec Sylvain Chavanel de l'équipe IAM, une vidéo, si j'arrive à m'imposer bien évidemment, sur cette deuxième étape du Tour de Sheffield, une vidéo des célébration de victoire possible sur le jeu Tour de France 2014. Sur cette étape de plat ou vallonnée, je pense qu'il n'y en a que 4. Il faudra voir si en montagne il y en a plus. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous retrouve pour les différentes célébrations de victoire. Salut, c'est Megadriver16. Je vous propose la première célébration, gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers le haut. Voilà la première célébration de victoire. La deuxième célébration de victoire. Gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers la droite. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Troisième célébration de victoire. Gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers le bas. Quatrième célébration de victoire d'étape, gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers la gauche. Il est en difficulté, pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Et voilà, je pense qu'il n'y en a que 4 célébrations de victoire sur le plat ou en descendant, puisque dès qu'on met. On applique la gâchette haute droite en simultané ou toute seule. Voilà, ça nous fait une descente, la position aérodynamique. À plus tard.